bienvenue dans Game Center. Les chanceux qui ont pu aller au Japon sont peut-être tombés dans certaines salles sur des bandes génériques équipées de prises casques. Alors ces installations sont pour la plupart réalisées par les gérants eux-mêmes, ainsi les joueurs ne sont pas dérangés par le bruit ambiant et peuvent pleinement profiter du son du jeu. Ces installations sont très utiles, mais surtout très simples à réaliser. Suivez le guide. Pour bricoler une prise casque sur sa borne, il faut commencer par acheter quelques composants. Une prise jack mâle, une femelle, un port JAMA, une lamelle, du fil et surtout un petit amplificateur alimenté en 12 volts. Grâce à lui, on pourra régler le son de la prise casque sans perte de qualité. Celui que nous utilisons aujourd'hui est en kit, la première chose à faire est donc de le monter. Pas besoin d'être un as de la soudure, il suffit de suivre le mode d'emploi pas à pas en faisant notamment attention à la polarité des composants. La seule chose que l'on ne soude pas directement sur la PCB est le potentiomètre. Si vous souhaitez pouvoir régler le volume à tout moment, il est préférable de le relier par des câbles pour pouvoir le mettre où on veut. Il faut maintenant récupérer de quoi alimenter l'amplificateur ainsi que le son sur le JAMA qui, pour rappel, délivre un son mono. Pour faire les choses bien et éviter de sectionner les câbles de la borne, nous allons bricoler un petit adaptateur. Coupez la lamelle JAMA pour qu'elle s'encastre parfaitement dans le port femelle. Courbez l'épine et soudez l'ensemble. Ne lésinez pas sur l'étain, il faut que ça tienne. Une fois terminé, on peut aisément souder sur la lamelle pour récupérer ce dont on a besoin. Afin d'alimenter l'amplificateur sans passer par une prise secteur, prenez le 12V qui se situe sur la pin 6 et la masse sur les pins 1 et 2. Pour le son, il faut se servir des pins 10 et L. Reliez ces deux câbles à l'intérieur de la prise jack mâle, puis branchez-la à l'entrée de l'amplificateur. La dernière étape consiste à relier la prise jack femelle au bornier de l'ampli. Mais pour le moment, un seul canal audio est desservi du fait du son mono. Il faut donc le dupliquer à la sortie pour profiter du son à gauche comme à droite. Pour cela, reliez le côté droite et le côté gauche de la prise casque à la même borne positive. Et voilà, c'est terminé. Branchez le tout et placez l'ampli sous le panel. Pour ceux qui ne voudraient pas abîmer leur borne, fixez la prise casque et le potentiomètre dans une petite boîte de façon à pouvoir poser cela de façon classieuse sur le panel. Enfin, pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux et qui veulent faire dans le durable, vous pouvez percer le panel pour y encastrer directement la prise et le potentiomètre. Il s'agit sans doute de la meilleure configuration possible, mais vu comment certains panels deviennent rares et chers, il n'est pas anormal de préférer la première solution. Voilà, comme vous avez pu le constater, c'est très simple et surtout, ce n'est pas cher. Comptez une vingtaine d'euros de matière première, une ou deux heures de soudure et le tour est joué. Merci à Anatole de la salle Arcade Street qui a équipé ses trois bornes de Shoot 'em Up de ce dispositif. Jouer là-bas est un vrai régal. Sur ce, score est bien et rendez-vous dans deux semaines pour le prochain numéro de Game Center.